Monsieur Mazari, bonjour. Bonjour. Le projet de loi de finances 2025, il est débattu depuis hier à l'Assemblée populaire nationale. Le ministre des Finances a présenté donc hier le texte devant les députés de la Chambre basse du Parlement. Un texte qui a pour objectif, entre autres, de booster l'investissement selon le premier argentier du pays. Alors, quelles sont les principales dispositions qui s'inscrivent dans cette direction ou à retenir dans ce sens, monsieur Mazari? Effectivement, donc c'est un texte qui est très important. D'ailleurs, il faut rappeler que on est devant la loi de finances ou le budget de l'État le plus important depuis l'histoire depuis l'indépendance. Donc ça dépasse un peu les 122 milliards de dollars. C'est un budget qui est très très important. Il y a une part très importante pour l'investissement. Il y a également une part très importante pour les transferts sociaux. Et ce qui peut caractériser peut-être ce projet de loi de finances, c'est que il y a un dégel de pratiquement quelques centaines de projets qui étaient gelés depuis 2014. Et donc c'est la reprise un peu de l'investissement public en termes d'infrastructures, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important donc pour la relance de l'économie. Il y a également certaines dispositions à la faveur donc de l'encouragement de l'investissement pour les PME, pour tout ce qui est investissement au sud, donc au plateau et au sud. Il y a des abattements fiscaux qui ont été prévus. Il y a également des dispositions qui devraient encourager l'inclusion financière. On prévoit que certaines transactions, notamment immobilières, soit réalisé à travers des instruments donc bancaires. Donc ça, c'est très important. Si on réussit à mettre en place cette mesure-là, ça va avoir un apport très important en termes d'inclusion financière. Et il y a également quelques nouveautés. Le Trésor public va être autorisé à travers cette loi à émettre un nouvel instrument donc de levée de fonds qui est le Sukuk. C'est un instrument de finance islamique qui devrait permettre à l'État de financer ses infrastructures à travers des levées de fonds auprès du grand public. Justement, sur ce dernier aspect que vous venez d'évoquer, Monsieur Mazari, la finance islamique, donc il y a le PLF qui apporte cette nouveauté et qui permet l'émission des Sukuk. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain si la mesure est bien exécutée? Alors d'abord, il faut rappeler que les derniers chiffres qui ont été annoncés par M. le ministre des Finances en termes de taille de la finance islamique en Algérie, on est dans le domaine bancaire, on dépasse les 800 milliards de dollars d'épargne collectée. Et en termes de financement, on dépasse un peu les 600 milliards de dinars. Ce qui est très important, c'est l'équivalent d'un peu plus de 6 milliards de dollars. Ça commence à prendre une taille assez, disons, conséquente. Et en termes de part de marché, ça constituait à peu près 5 à 6% donc du marché bancaire global. Et là, donc c'est un gisement important en termes d'épargne. Il faut transformer cette épargne en investissement. Il y a une partie qui est transformée en financement direct des entreprises. Mais les acteurs qui sont dans ce domaine-là donc disposent d'excédents de liquidités qui pourraient être investis déjà dans ces titres de souverains, donc dans les sukuks souverains pour financer les infrastructures principalement. Mais également, il y a des possibilités, une profondeur de marché où il y a une possibilité d'aller encore plus loin pour collecter plus d'épargne à travers ce type d'instrument. Et donc c'est quelque chose de très important, c'est une nouveauté qui est très importante pour les finances publiques en Algérie, d'aller vers un instrument qui va ouvrir, disons, une nouvelle fenêtre donc, sur le marché en termes d'inclusion financière, impliquer le public dans le financement des infrastructures, mais surtout que c'est un instrument qui est donc conforme aux préceptes de la charia islamique, ce qui est recherché et demandé par une bonne frange de la population. Et c'est également un instrument qui a la particularité d'être adossé à des actifs donc réels, donc à des projets concrets, donc des projets commerciaux de l'État. Ça peut être des infrastructures ou même des transactions commerciales. Et qui a le mérite également d'avoir une transparence assez importante, parce qu'il y a un principe de partage des risques. Et donc, l'émetteur doit être assez transparent dans la gestion du projet, mais également dans tout ce qui se rapporte au projet qui est adossé à ce titre-là.
Alors, vous venez de faire, Monsieur Mazari, juste, vous venez de rappeler le bilan qui a été fait, donc, ou qui a été dressé par le premier argentier du pays en ce qui concerne la finance islamique, lancée, boostée par les différents textes, justement, de loi de finances. Est-ce que aujourd'hui, l'avancée de ce chantier est satisfaisante? Alors, il faut noter que, par exemple, dans les différents rapports de la Banque d'Algérie, on retrouve un taux de croissance qui est assez conséquent, donc entre 25 et 30% par an, du marché de la finance islamique, du marché bancaire de la finance islamique. Il y a de plus en plus d'acteurs. Actuellement, nous sommes 12 acteurs sur le marché. Il va y avoir un troisième acteur très bientôt et probablement d'autres investissements dans ce sens dans les années à venir. Donc, ce qui marque l'intérêt, ce qui souligne un peu l'intérêt, disons, des acteurs bancaires et financiers pour ce marché-là, il y a une demande qui est très forte. Il y a également cette possibilité de diversifier les produits. Ça ouvre l'opportunité aux institutions financières de diversifier leurs produits de financement, mais également de collecte d'épargne. Et ça, c'est très important pour disons, pour la politique d'inclusion financière qui est menée par l'État, parce que ça va aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux fonds, et ça va, en termes de financement également, on va aller vers de nouvelles catégories de clientèle qui vont avoir accès à des financements. Et ce qui est important également, c'est que c'est assez diversifié parce que bon, finance islamique, c'est une industrie. Donc il y a la partie bancaire qui est la plus importante dans tous les pays du monde, mais il y a également la partie assurantielle. Donc il y a les compagnies Takaful. Il y en a actuellement deux compagnies, disons, qui sont sur le marché. Il y a également des fenêtres qui ont été autorisées à exercer. Mais il y a également la partie marché qui est très importante et c'est peut-être disons, le maillon faible de l'économie algérienne ou le marché financier. A peiné pendant des années à se développer. On a constaté quand même un certain regain ces derniers mois avec l'ouverture de capital, par exemple, d'une banque publique qui a permis de lever un peu plus de 112 milliards de dinars, ce qui est très, très, très important. C'est une opération qui est d'une importance même régionale, hein, pas que locale. Il va y avoir d'autres acteurs. Hein, qui vont connaître le même processus, donc d'ouverture de capital. Ça, c'est très important pour alimenter le marché, mais il faut également diversifier les instruments de financement de marché, à l'exemple des sukuks souverains qui vont être émis par l'État, mais il y a également les sukuks corporatifs qui pourraient être émis par les entreprises pour le financement de leurs projets d'investissement. Mais là, il faudrait revenir sur le projet de loi donc, de code de commerce qui doit être aménagé en conséquence. Ah, donc il y a en parallèle une réforme qui doit être menée pour pouvoir mettre en place, c'est-à-dire dans les faits, cette émission de Sukuk? En fait, il y a pour la partie Sukuk souverain, c'est la loi de finances. Donc, Oui. qui va être suivi très probablement donc, au cours de l'année prochaine de textes d'application qui vont permettre à l'État donc d'émettre ce nouvel instrument. Mais pour la partie entreprise, donc corporative, les entreprises privées ou publiques pourront émettre ce papier financier sur la base de dispositions qui vont être prises dans le code de commerce qui est en cours d'aménagement. Alors, vous avez parlé, Monsieur Mazari, de ces opérations d'introduction en bourse qui ont été lancées par les pouvoirs publics. Il y a déjà, vous avez cité une banque qui est déjà donc qui a déjà fait son entrée en bourse. Il y a d'autres entreprises, notamment financières, qui sont annoncées, telles que la BDL. Alors, ces introductions en bourse, on sait que ça va dynamiser la place financière, mais ces opérations qui prennent du temps, qui tardent dans les faits, qu'est-ce qui explique cela, Monsieur Mazari? Alors, ce qu'il faut comprendre, peut-être c'est un processus qui est assez long, notamment pour l'ouverture de capital d'une compagnie publique. Parce que, bon, déjà, il y a des étapes préalables d'évaluation, de préparation de l'entreprise en soi pour qu'elle puisse être cotée en bourse. Parce que là, pour pouvoir être cotée en bourse ou pour pouvoir faire une introduction en bourse, il y a un certain nombre de conditions auxquelles les entreprises doivent se conformer. Et puis, il y a également, comme c'est de l'argent public, donc c'est des compagnies publiques, il y a tout un process en amont, donc pour qu'elles soient autorisées que le Trésor public soit autorisé à céder ses parts sur le marché. Parce qu'il y a différentes façons d'ouvrir leur capital, donc ou bien émettre de nouvelles actions, donc admettre de nouveaux actionnaires, ou alors céder les actions existantes au marché.
grand public ou institutionnel, donc il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est assez complexe, mais je pense que par rapport à la BDL, je pense que ça va se faire peut-être avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et il va y avoir même d'autres compagnies, notamment une compagnie de téléphonie, qui va connaître le même processus probablement durant l'année prochaine. Alors, l'inclusion financière, c'est aussi une des priorités de ce projet de loi de finances, comme les précédents d'ailleurs. Et il y a donc une disposition que vous avez citée qui s'inscrit à cet effet, qui concerne les opérations commerciales. De quoi s'agit-il exactement, Monsieur Mazari? Alors en fait, ce qui est prévu dans le projet de loi de finances, c'est que, y a un certain nombre de transactions, notamment pour les transactions immobilières, pour les transactions avec les concessionnaires automobiles, tout ce qui est également yachts et bateaux, etc., qui vont être forcément, enfin, il va y avoir une Qui obligation devrait. de passer par les instruments donc bancaires, que ce soit par chèque, par virement, etc., pour qu'elle puisse être réalisée. Ça, c'est une mesure qui est très forte, il faut le rappeler. Donc, si on réussit à mettre en place une telle disposition, ça va complètement, disons, changer la cartographie donc financière du marché. Parce que c'est une mesure qui va avoir un apport très important en termes d'inclusion financière. Et c'est une mesure également qui va permettre aux citoyens donc de sécuriser leurs transactions. Ça, il faut le rappeler également, on n'en parle pas beaucoup. Mais passer par le circuit bancaire, passer par des instruments, disons, formels, etc., aller au-delà du cash, ça sécurise également les transactions immobilières, mais également les transactions commerciales qui ont été prévues dans ce texte-là. Et donc c'est une mesure qui est assez forte, et il est attendu que son apport également soit important en termes d'inclusion financière. Alors, si cette mesure est adoptée donc par le Parlement, donc l'Assemblée populaire nationale, puis le Conseil de la Nation, est-ce qu'il y a des préalables pour sa mise en place sur terrain, Monsieur Mazari? Alors c'est une mesure qui vient, disons, en accompagnement de d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement algérien. Et il faut rappeler que, par exemple, les préalables, c'est surtout le circuit bancaire. Il faudrait qu'il soit à la hauteur de ce besoin-là. Et il y a un certain nombre de réformes qui ont été justement menées par les banques pour aller dans ce sens-là, notamment en termes de digitalisation. Il faut rappeler que le levier digital est très important pour les banques, comme il l'est également pour l'administration, pour les autres institutions. Mais ça va de l'efficacité opérationnelle donc des institutions bancaires, mais également en termes de coûts de transaction qui vont être très réduits par rapport aux coûts de transaction actuels. Et donc, il faut également densifier le réseau de distribution à travers ces différents canaux, ou bien le canal physique, donc des agences qui vont être implantées un peu partout, permettre aux citoyens de réaliser leurs transactions, mais également le canal digital qui peut être utilisé également comme support pour réaliser ce type de transactions. Des questions sur lesquelles nous allons revenir également dans la deuxième partie de l'émission, telles que le financement de l'investissement, sa diversification, ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Monsieur Mazari, nous avons parlé aujourd'hui donc de la place financière qu'il faut dynamiser. Les banques de la place, elles sont appelées à être plus efficaces et plus compétitives par le ministre donc des Finances, à intensifier leurs efforts de modernisation, également pour la mobilisation de la ressource. Quelle est la marge de manœuvre des banques aujourd'hui? Alors bon, il faut rappeler quand même que les banques jouent un rôle très important dans le financement de l'économie et dans cette intermédiation donc financière entre les agents à capacité de financement et les agents demandeurs de financement. C'est quand même un marché de plus de 16 000 milliards de dinars. En termes de financement, c'est un peu plus de 10 000, voire 11 000 milliards de dinars. C'est quelque chose qui est très conséquent. Toutefois, il y a un certain nombre de marchés plutôt de chantiers qui ont été engagés justement par ces banques-là, afin d'améliorer la prestation et la qualité de service, mais également la capacité d'intervention en termes de financement de l'économie. Alors, ça va de la diversification donc des produits. Tout à l'heure, on avait parlé de finances islamiques, ça fait partie un peu de cette démarche. Donc, ouvrir de nouvelles fenêtres pour améliorer la capacité, disons, d'intermédiation bancaire sur la place. Mais également, en termes d'efficacité opérationnelle, nous avons également parlé du levier digital qui peut être
utiliser justement en termes de modernisation pour que les banques soient plus efficaces sur le plan opérationnel, mais également pour avoir une meilleure maîtrise des coûts. Mais il y a également d'autres facteurs. Par exemple, il y a le fait que le système financier et bancaire algérien soit sous-institutionnalisé. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui devraient émerger sur le marché afin de répondre à des problématiques précises. Par exemple, la loi bancaire et monétaire prévoit le statut de banque d'affaires. Les banques d'affaires peuvent jouer un rôle très important, notamment dans la structuration des financements, notamment d'investissement et ceux qui vont sur le long terme, à travers parfois, voire souvent, des levées de fonds sur le marché financier, parce qu'il y a un certain nombre d'industries, par exemple l'industrie touristique ou les gros investissements, les grosses infrastructures, etc. Les financements qui doivent être adossés doivent aller sur de très long terme, donc plus de 10 ans, 12 ans, voire 15 années. Et là, la capacité de transformation des banques telles qu'on les connaît sur le marché reste tout de même limitée, parce qu'il y a une très forte donc transformation de l'épargne qui est à court terme pour aller vers des financements à long terme. Et là, donc, il faut aller plutôt vers des instruments de marché à travers des montages qui doivent permettre de financer ce type de projet. Mais il y a également quelques-uns, bon, on constate quand même, pas l'absence, mais disons, c'est pas très important, les fonds d'investissement. Le manque. Voilà. Moi, je suis très content d'avoir vu qu'il y a eu la décision de créer un fonds d'investissement algéro-omani, donc avec le Sultanat Domaine, qui va financer un certain nombre de domaines, notamment l'agriculture, etc. Et ça, c'est très important, parce que les fonds d'investissement jouent un rôle très important dans le financement de l'investissement. Et il faudrait vraiment lancer de nouvelles initiatives, des fonds privés, des fonds internationaux, etc., pour financer justement ce type d'investissement, donc d'infrastructures, des investissements sur le long terme, industriels, touristiques, etc. On a observé dans certains pays que c'est ce type de financement qui a permis à ces pays-là de développer leurs infrastructures. Et donc, il faut vraiment densifier ce genre d'initiative. Mais il y a également la problématique de facilitation d'accès au crédit, de manière générale, qui se pose. Et là, il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être prises pour faciliter cet accès au crédit, comme par exemple la mise en place de fonds de garantie, de sociétés de garantie, donc de sociétés tierces qui vont garantir un peu les financements. Mais il y a également la problématique de visibilité, de manque de visibilité ou de manque de clarté par rapport au risque de contrepartie en Algérie. Et là, on devrait encourager l'investissement dans des bureaux de crédit ou des sociétés de notation qui vont jouer un rôle très important pour lever un peu le brouillard sur la qualité de signature ou la qualité de crédit des contreparties. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs Des mesures grands qui peuvent chantiers. être prises, disons, en même temps. Donc, c'est un faisceau de mesures. On ne peut pas appuyer sur un bouton et tout régler en même temps, immédiatement. Mais il y a quand même un certain nombre de mesures qui, on entrera dans le système bancaire en soi, mais également dans son élargissement. Et il y a également tout l'écosystème, disons, sur le plan légal et réglementaire qui doit accompagner cette évolution. Alors, par où commencer, Monsieur Mazari? Vous venez de dire que c'est plusieurs mesures qui doivent être mises en place, plusieurs investissements qui doivent être consentis, des institutions qui devraient être carrément créées. Par où commencer et qu'est-ce qui freine leur mise en place sur terrain pour dynamiser la place financière? Moi, à mon sens, bon, vous savez, quand on parle d'investissement, tout le processus en amont du financement a été pris en charge par un encadrement légal. Il y a une loi qui a été pendue dans ce sens, mais également un certain nombre de mesures. Il y a la réforme de l'Agence algérienne de promotion d'investissement qui a été mise en place, des plateformes, l'affectation du foncier, etc. Mais l'investissement ne peut être réalisé que s'il y a du financement derrière. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut aller pousser un peu plus loin dans le raisonnement, dans cette chaîne de valeur, pour que l'on puisse libérer ces initiatives-là. Et à mon sens, il faudrait peut-être réfléchir à mettre en place une espèce de stratégie ou de feuille de route de réforme du système financier et bancaire algérien pour accompagner toutes les politiques publiques qui ont été mises en place, notamment en termes d'encouragement d'investissement, de création d'emplois, d'inclusion financière, etc. Donc il faudrait qu'il y ait des stratégies, disons, sectorielles, notamment pour le secteur bancaire et financier, pour justement atteindre les objectifs qui ont été arrêtés par les politiques publiques.
Il y a une réforme financière qui a été lancée il y a de cela quelques années. Elle nécessite un approfondissement ou encore une nouvelle vision, Monsieur Mazari? Vous savez, les réformes financières sont, disons, sont permanentes dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de système financier figé, c'est vivant. Le système financier doit accompagner l'économie du pays, et au fur et à mesure que l'économie bouge, le système financier doit également mettre en place les instruments qui permettent à cette économie de se développer. C'est pour cette raison que c'est quelque chose de vivant, et donc il faudrait quand même qu'il y ait une veille. Et ce qui est très important pour le secteur financier, c'est de répondre aux attentes de l'investisseur et de l'économie nationale. Et non pas l'inverse, c'est pas de mettre en place des instruments qui doivent être adoptés par l'écosystème, c'est plutôt l'inverse, c'est le marché qui décide des instruments qui doivent être mis en place. Alors, on a parlé de la diversification de l'investissement, de la nécessité de mettre aujourd'hui en place différents types d'investissements pour les différents types d'entreprises et de projets. Il y a eu récemment le crowdfunding qui a été mis en place Exact. pour le financement notamment des startups. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place, Monsieur Mazari? Tout à fait. Donc, on revient un peu à ce volet de fonds d'investissement, puisqu'on parle de crowdfunding. Crowdfunding, c'est le financement de foule, si on peut traduire ça en français. Et c'est utilisé justement pour les très petits projets, les projets même à des fins philanthropiques, etc., dans certains pays. Par contre, ce qui manque un peu dans toute cette carte, c'est des fonds d'investissement, des sociétés de gestion de fonds d'investissement. C'est également des fonds communs de placement, et c'est des instruments, c'est des véhicules d'investissement qui permettent de collecter l'épargne et de la réinjecter pour le financement exclusivement de l'investissement, justement. Et donc, ça va compléter un peu, disons, le paysage bancaire, parce que tous les problèmes de financement de l'économie ne peuvent pas être réglés que par les banques et par les finances publiques. Il y a un marché qui doit être développé, il faut diversifier les instruments de ce marché-là pour répondre aux attentes du marché et permettre aux entrepreneurs de trouver les investissements qui leur conviennent. Le chantier est très important. Très, très important. Donc aujourd'hui, il y a lieu de commencer par ça, par investir dans des fonds d'investissement pour dynamiser d'abord les investissements dans l'ensemble de la chaîne financière. Diversifier, ouvrir le champ aux initiatives, impliquer le privé. Parce que ce qui manque, c'est que on constate que le privé n'est pas très impliqué dans toutes les démarches qui sont encouragées par les pouvoirs publics. Donc il y a des politiques publiques qui sont mises en place, des réformes, mais le secteur privé reste un peu frileux. Donc il faudrait inciter un peu ce secteur privé pour investir dans ce type de démarche, pour un peu apporter disons, sa contribution à cette réforme. Merci, Monsieur Mazari. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans le studio de la chaîne 3. Merci à vous, chers amis Merci. auditeurs, de nous avoir prêté attention et de nous avoir suivis ce matin. Je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve demain avec un nouvel invité, une nouvelle thématique.